merci Madame Tussaud. Et merci surtout à Habib d'être avec nous pour nous parler de son roman La fille de Soussiov qui vient de paraître et qui a été livre traduit, bien traduit par notre amie Anna Javed qui malheureusement est absente ce soir alors, parce qu'elle est occupée alors que j'avais des questions à lui poser sur son travail de traductrice aussi de ce livre. Alors, j'ai en accord avec Habib, on va commencer par parler du livre, de ce livre en particulier. Après, dans un deuxième temps, je vais lui poser des questions sur son itinéraire de romancier. Ce livre est le huitième ou le neuvième roman. Bon, c'est le premier traduit en français, mais c'est le huitième ou le neuvième roman écrit en arabe. À quoi s'ajoute un recueil de poésie, des recueils de nouvelles, des essais et des ouvrages techniques, puisque Habib est professeur d'informatique, ça s'appelle ? Des universités d'informatique. Voilà. Bon, à l'université de Rouen. Donc, il est scientifique et littéraire en même temps. Alors, ma première question donc, porte sur cet ouvrage. C'est l'histoire d'un jeune, Omran, né en Aden, au sud Yémen, et qui vient faire des études en France, qui tombe amoureux d'une Française, qui se marie, et puis qui sa femme meurt dans un attentat. Il est meurtri et il rentre chez lui. Alors quand il était en France, son pays, le sud Yémen s'appelait la République démocratique, c'était populaire du sud Yémen. Et quand il rentre, l'unité avait eu lieu avec le Yémen du Nord et le paysage à la fois politique, social, culturel avait changé. Et là, c'est là que l'essentiel, c'est là qu'il rencontre une vieille connaissance. Alors à toi. Oui. Voilà. Alors, bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, effectivement, donc tu as bien commencé à décrire le début du roman. Le début, effectivement, ça commence durant les années 70-80, donc dans l'ancien Yémen du Sud. Ce que je trouve assez frustrant, c'est que ces 20 ans de l'histoire du Sud Yémen sont oubliés de la mémoire collective humaine, parce qu'il n'y a pas d'anthropologue qui a travaillé là-dessus, ou des historiens, ou des sociologues, etc. Et pourtant, ça vaut le coup, c'est un trésor comblé donc, pour ceux qui connaissent cette période-là, il y en a au moins deux ici. C'était un mélange de beaucoup de choses. Et puis, ce qu'on peut dire tout de suite, avant de parler de cette époque rapidement, que c'était quand même l'âge d'or, quand on prend toute l'histoire du Yémen moderne, malgré toutes les catastrophes qu'il y a eu à cette époque-là. Donc au niveau vie sociale, au niveau situation de la femme, au niveau éducation, au niveau égalité, corruption, c'était une très très bonne période. Tout le monde en garde des bons souvenirs, malgré toutes les catastrophes, malgré toutes les choses mauvaises qui sont passées à l'époque. Bon, après, ça a commencé, les catastrophes, les tragédies, puis le naufrage actuel. Donc c'est une suite continue. Donc cette période-là, au niveau roman, au moins au niveau romanesque, est très riche. C'est un trésor parce qu'il y avait le marxisme, le léninisme, il y avait l'histoire tribale, il y avait la religion aussi. Et c'est un mélange sur lequel donc c'est un océan de l'histoire, si on peut l'exploiter comme ça. Omran est né dans ce monde-là. Il découvre, il devient ses idées. L'Éthiopie de la Révolution, donc ça a commencé à cette époque-là. Et il a fait connaissance du livre de Georges Wolitzer, qui l'a changé complètement d'une religion à une autre, grâce à la métaphore du 100 degrés, que c'était la deuxième loi de la dialectique de Hegel, décrite dans le livre, qui l'a rendu complètement fasciné, et qui a tout de suite changé de religion rapidement, parce que c'était, en fait, c'est un livre qui était pour l'université ouvrière ici en France, d'un philosophe résistant qui donnait ça, ces cours-là aux années 50.
dans ce cours-là, donc, il expliquait un peu, d'une manière pédagogique, toutes les lois du marxisme, du Hegel. Il m'a expliqué la deuxième loi de la dialectique, c'était la transformation quantitative qui amène vers une transformation qualitative. Il a pris la métaphore du lot qui bouillonne, donc à 60 degrés c'est encore du lot, à 90 degrés c'est encore du lot, à 99 degrés c'est encore du lot, et puis vient le degré avant-gardiste qui transforme l'eau en vapeur. Du coup, conclusion, il faut augmenter la lutte révolutionnaire pour aller vers l'état féodal, l'état socialiste, etc. Donc ça, c'était son monde après. Il a gardé de ce monde-là cette culture qui, donc, il a gardé donc de cette culture-là, de cette histoire-là, il y a Franck qui arrive. Oui. Il a gardé donc de cette culture la volonté du changement, en fait, le monde lui appartenait grâce à la culture du internationaliste prolétaire ukrainien de l'époque. Donc, le mouvement progressiste au Sénégal ou au Norvège, c'était sa position. Donc, il avait une vue du monde grâce à cette époque-là, qui était très positive, qui était très internationaliste. Arrivé en France, donc, sa vie a changé complètement. Déjà, il a trouvé cette magnifique Naja, qui était plutôt franco-yéménite. Donc là, il lui a donné donc une autre sémantique de tout ce qu'il avait appris avant. Et notamment cette histoire du 100 degrés. Donc pour lui, pour elle, ben, l'eau, il peut devenir du vapeur sans besoin de feu, de révolution, enfin de violence, etc. C'est exactement la même relation entre la mer et le soleil. Du coup, sa culture a été métamorphosée complètement grâce à sa venue en France. Donc après, bon, dans le roman, il est resté attaché à cette révolution-là, mais avec une autre vue, une autre manière de voir les choses. Et puis, donc, il y a eu l'accident dont tu viens de parler pour sa femme, donc sa vie a été brisée complètement. Mais il est resté attaché, il s'accrochait à cette volonté de changer, de voir un autre monde dans son pays, mais dans le monde arabe, au-delà. Et puis, il y a eu le printemps, donc tout a commencé là, mais déjà juste un petit peu avant, le printemps donc yéménite, qui est en même temps que le printemps arabe au général, juste avant ce temps-là, donc il est rentré, après l'unité, comme tu viens de dire, il n'a pas reconnu son pays à ce moment-là. Donc c'était déjà le salafisme qui a gagné tous les terrains. Avant, donc à Aden, on vendait de la bière, on vivait d'une manière assez... donc on revient un petit peu sur cette époque-là, avant de parler après de la révolution et du printemps, il y a pas mal de choses, il y a au moins trois choses qui symbolisent un peu cette vie socialiste scientifique d'Aden. Il y a, par exemple, il y a donc, lorsqu'il était admis à un congrès en tant que jeune révolutionnaire et tout, donc il y avait la préparation de ce congrès-là. Et comme à l'époque, il fallait toujours remplir les formulaires en disant deux choses. L'appartenance de classe et puis l'histoire, la généalogie. L'histoire familiale. Voilà, familiale. Donc, ils ne savaient pas quoi faire pour lui parce que son père avait un petit restaurant. Et donc, si on qualifie qu'il est du prolétaire, donc dans ce cas-là, sa vie est un chemin semé de roses. Donc, tout est ouvert pour lui. Si on le qualifie de petit bourgeois, donc c'est la classe maudite, l'empire du mal, l'hypocrisie, etc. Donc, il y avait juste parmi les passages entre chapitres, et du coup, il y avait toute bureau politique qui se réunissait, et puis ils ont décidé d'envoyer une commission pour aller compter le nombre de cuillères de son restaurant. Il est petit bourgeois, du coup, il ne viendrait pas. Si c'est un mois, il passe parce que c'est... Et c'est un prolétaire. Donc, il y avait beaucoup d'anecdotes qui reflétaient la vie sociale avec sa rhétorique de l'époque. Il y avait aussi la bourgade qui s'appelle Cécévane, toute la vie, où l'arrivée d'un seul coup de la police politique pour prendre toutes les prostituées et les envoyer à une petite usine du Sostomate, parce que pour la révolution, c'est des gens exploités, il fallait les envoyer là-bas pour qu'elles deviennent prolétaires. Avec toutes les anecdotes de ce stomate-là et ses relations avec la jeunesse,
Et puis, pareil, on a pris ce qu'on appelait les homosexuels, on les appelait les déviés, vers l'archipel de Socrate, des stages révolutionnaires. Enfin. Donc, y a, on voit un petit peu cette époque-là d'une manière condensée avec beaucoup de symboles. Donc, je disais, il a découvert après le Yémen unifié, il était choqué par l'arrivée du salafisme, des grandes manifs avec du noir complet, où les femmes demandent avoir quatre, demandent que le mari ait quatre femmes, enfin, c'est elles qui demandent ça. Donc, c'est des esclaves qui sont heureux de leur esclavage, parce qu'il y a eu de lavage du cerveau énorme, du salafisme, des obscurantistes général. Le chef de ces obscurantistes-là, leur gourou, il est un des héros du roman, enfin des personnages importants du roman. Un des personnages, pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, lui, quand il arrive là-bas, par hasard, il retrouve une vieille connaissance, avec une fille, qui avait des regards, beaucoup de sympathie au Yémen du Sud, mais qui était parti après au Nord, parce que son père, qui était un idéologue, on l'appelait Souslov, au nom du dirigeant du section du, la section de l'idéologie du Parti communiste soviétique, c'était un sobriquet qu'on donnait à tous ceux qui parlent avec la langue de bois, etc. Donc elle, il y a eu toute la crise du sud Yémen s'est reflétée de sa famille, je ne vais pas donner les détails, du coup, elle s'est retrouvée dans une crise énorme. Les salafistes ont compris, c'était un bon choix pour eux de l'amener vers le nord et de lui faire un stage du lavage du cerveau. Du coup, il s'est retrouvé marié avec le fils de gourou, complètement, donc il a été métamorphosé entièrement. Il l'a retrouvé, donc leur amour a recommencé exactement comme avant, même très brûlant, très brûlant. Lui, il voulait l'amener, il voulait la sauver d'un égarement, puis elle aussi d'ailleurs, il voulait aussi qu'elle était sûre. Donc c'était un conflit spirituel, une guerre spirituelle entre deux qui aux extrémités. Voilà, au niveau idéologique, au niveau pensée, ils sont complètement par contre, au niveau lit, ils avaient toute l'hypocrisie du salafisme, on le voit également ici. Parce que donc, elle, c'était une prédicatrice, qui va diriger tout le mouvement salafiste des femmes, elle est là, et quand le printemps arrive, enfin le printemps, elle avait un rôle de plus en plus important, donc c'était le Jeanne d'Arc de la révolution yéménite, si je puis dire. Du coup, lui, il venait souvent, il essayait un peu de continuer la guerre psychologique, enfin la guerre spirituelle avec elle. Donc on voit par exemple, tu vois, l'utilisation de Facebook est assez présente. Parce que vous savez tous qu'Internet, là, au Facebook, c'est un petit peu une arme à double tranchant. Parce que bon, d'un côté, ça ouvre le monde, ça laisse les gens voir le monde, donc on ne peut pas passer des mensonges facilement. On voit un petit peu qu'on peut vivre dans des sociétés sans des régimes patriarcaux, comme les nôtres, en Syrie, au Yémen, etc. On peut voir des pays où les gens vivent sans conflit, sans guerre confessionnelle, sans, etc. Et de l'autre côté, par contre, c'est un terrain propice aux croyances rabides. Donc les post-vérités, les fake news, où les croyances passent très vite. Et donc tout ce qui joue sur l'émotion passe très vite. Et du coup, une partie de ce conflit spirituel entre Amran et Fatin, c'était son nom quand il était au sud, et après il est devenu Amat al-Rahman, c'est Amat al-Rahman, l'esclave de Dieu. C'est un nom qui est juste donné pour les hachimites, pour les très religieux du au nord. Je ne pense pas qu'ils s'utilisent en dehors de Sanaa, ce nom-là. Je crois. Amat al-Rahman, Amat al-Alim, c'est typique pour le Sanaa, il me semble. Donc, on montre ici l'ingénierie de ces salafistes qui sont très liés au régime. Donc, le gourou, il était au mal du despote. Et au moment où le printemps est arrivé, il changeait de casquette. Parce que le déchu était un peu plus ou moins affaibli, donc il voulait avoir la part du lion de la révolution, lui il voulait étrangler la révolution, c'était des gens qui voulaient le pouvoir, mais qui ont toujours été tout l'itinéraire de ce gourou-là a été exposé, clarifié, c'était des gens du despote dès le départ. Donc, ce qui se passe, c'est entre lui et elle, donc le conflit aussi a lieu sur Facebook, avec des masques, où on voyait un peu toute l'ingénierie, toute la méthodologie de ces gens-là,
pour diffuser leurs idées. Et ils jouent sur la croyance, ils jouent sur l'humiliation, ils jouent sur la blessure narcissique chez les gens, et puis ils jouent sur les fautes de l'Occident, et ils jouent sur tout. Tout est une école très aguerrie d'arguments qui sont dévoilés, qui sont expliqués par des débats entre lui et elle, entre lui qui rentre en France avec un autre nom, et elle avec un autre nom. Du coup, on voit un petit peu on voit un petit peu tout ce monde avec toutes ces méthodes et toute l'hypocrisie de ce monde-là. C'est une hypocrisie exceptionnelle parce que le rapport entre Amran et la fille de Soussouf, là, qui est devenue Amat al-Rahman, donc continue. Chacun essaie de tirer l'autre. Et puis, donc, il y a un rapport sexuel avec elle continuel. Et elle est mariée avec le fils de gourou, tout en ayant des relations avec le gourou, parce que ça vient de passer, c'est très compliqué, mais c'est comme ça. Et à un moment donné, toute l'hypocrisie explose, parce que le narrateur, il était complètement déprimé, parce qu'il n'a pas réussi à changer celle qu'il aime, et puis la sortir de ce monde-là. À un moment donné, donc, il était en pleine... déprimé complètement. Il voulait même dire au fils de... Il voulait dire au fils, enfin au mari de sa partenaire. Il voulait lui dire quelque chose comme ta femme m'a trahi avec ton père. Donc on voit toute la contradiction de l'hypocrisie, du malheur de ce couple-là, vers la fin. Mais, donc, entre-temps, tout ce qui est exposé complètement, c'est les débuts de la révolution. Donc, enfin, pour moi, la littérature, son rôle, avant tout, c'est une grille d'analyse pour comprendre le monde. Donc, comment comprendre le monde, de la révolution qui s'est passée au Yémen, etc. C'était à travers, donc, un déchiffrage ou un décryptage d'un jour où les tentes dans les communes, qui étaient super magnifiques au Yémen, les petits rêves qui étaient écrits sur les tentes, les gens qui venaient des montagnes, des villages, qui voulaient un autre monde, qui rêvaient d'une vie civile différente, qui ont laissé les armes, qui voulaient. Donc tout ça s'est décrit dans le roman. Donc on voit un petit peu la topologie des communes. On voit aussi, on se focalise parfois complètement sur un seul jour capital, dans les premières semaines de la révolution. Un vendredi particulier, donc on voit tous les détails de la journée, et on voit aussi parallèlement la relation entre Amran et Amat al-Rahman en même temps. Donc on voit ce début de la révolution, et puis cela, il a participé activement, notre héros, mais vers la fin aussi, il a touché quand même, qu'on ait tout fait cette révolution-là, vers l'arrivée massive des religieux qui ont au départ refus, qui étaient obscurantistes. Et qui sont venus avec des méthodes. Ils n'aimaient pas du tout le slogan « Sha'b yurid israt al-Nizam ». Le peuple veut faire tomber le régime. Parce que ça les choquait. Le vouloir du peuple, c'est pas normal. Donc le peuple doit suivre. Ils ont essayé doucement de faire tomber ce slogan-là. Ça a commencé par « Sha'b yurid israt al-Nizam ». Oui. Puis après... quand j'ai lu la première fois... J'ai vu qu'il y a, à part l'aspect, le roman lui-même, l'histoire, en Syrie par les armes, et au Yémen de la manière dont que tu racontes. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Deuxième chose, c'est que on a le Yémen pour le public français est un trou noir, enfin est un pays qu'on ne connaît pas. Et plus encore, d'ailleurs, on le voit dans la tragédie que vivent les Yémen aujourd'hui, et personne n'en parle. Bon, les gens tombent par dizaines, par centaines, le pays est détruit, son patrimoine, etc. Et personne n'en parle. Donc je veux dire, ça c'est un deuxième point pour lequel moi j'ai trouvé que le livre éclairait pour le public des choses qu'il ne connaissait pas. Et puis il y a déjà avant toute l'histoire du Sud-Yémen que les gens ne connaissent pas aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant une
une dizaine d'années, il a eu une expérience socialiste, avec, quand on voit des images, à l'époque, des images une sortie d'école avec des jeunes filles qui sortent de l'école habillées en jupe, qui sont au-dessus du genou, etc. Et puis, comment aujourd'hui, c'est complètement le costume noir de la tête jusqu'aux pieds, etc. Donc, c'est pour dire, enfin, pour dire à ceux qui n'ont pas lu le livre, qu'il est... c'est un roman d'abord, c'est-à-dire qu'il se lit avec plaisir, mais il est aussi très très éclairant sur le plan politique, historique, culturel du MR. Je vais passer à autre chose. Bon, avant d'écrire ce livre, tu as un itinéraire très long. Bon, depuis le premier texte, aussi avec des romans costauds, quoi, des romans volumineux, je me rappelle de quelques-uns. Et puis il y a ce roman qui mérite d'être traduit et qui raconte un peu l'histoire de Boudral al-Mahri, du grand poète aveugle, agnostique, qui a vécu entre le 10e et le 11e siècle en Syrie du Nord. Alors, je voudrais un peu que tu traverses un peu, que tu nous racontes un peu ce passage, parce que c'est des mondes très différents dans les romans. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que dans beaucoup de romans, y compris dans le scientifique Habib Abdelrab apparaît dans des choses qu'on dirait un peu de science-fiction, etc. Voilà. Donc, voilà. Oui, donc en fait, bon, d'abord, ma relation avec l'écriture, ça a commencé depuis l'enfance. Mon père aimait la littérature, du coup, il nous a un petit peu enraciné l'amour des mots dès le départ. On faisait ce qu'on appelait le cigale, on jouait tous les jeudis soirs en famille. C'est un jeu, en fait, où chacun cite un vers de la poésie classique, et l'autre, il doit citer un autre vers qui démarre par la dernière lettre du date ici. Donc le gagnant, c'est celui qui arrive à la fin sans répéter d'autres vers qui ont été dits par les autres. Etc. Donc ça donne, c'était ludique, mais ça fait aimer la littérature. Après, on apprend par cœur soi-même pour être meilleur le jeudi d'après, et ainsi de suite. Les mathématiques, je les ai aimées tout seul, d'une manière naturelle, comme ça. Donc après j'écrivais des... Mais les études secondaires, universitaires à Aden Non, universitaire, j'ai fait toutes les universités ici en France. Si. Par contre j'ai fait jusqu'à baccalauréat à Aden. Oui. Je suis arrivé ici pour faire donc du génie électrique. J'ai tout de suite changé pour faire des maths. Même si ici on apprenait les maths modernes, et moi j'ai pris les maths anciennes, comme aux années 20 ici, 30, avec la géométrie euclidienne, ça m'a obligé de travailler énormément pour passer. Mais pour moi, j'ai fait les choses comme je voulais. Donc, j'ai adoré aussi l'algèbre. J'ai trouvé bon, du philo, un petit peu de la poésie, enfin plus ou moins. Dans les profs, j'ai adoré l'esthétique des choses. Et du coup, avant, j'écrivais un petit peu de poésie. Ça, c'était en 76. Je suis arrivé en 76. Avant, j'avais commencé à écrire le premier poème où j'avais 14 ans. J'étais héros dans un journal important yéman, sans dire que c'est un jeune poète. Du coup, ça m'a mis avec. Donc j'étais heureux, le 4/5 de mon bonheur de ma vie était peut-être ce jour-là. Après j'arrive en France, j'avais envie d'écrire, mais pendant 12 ans, non, j'ai travaillé. D'abord il fallait que je m'enlève mon alphabétisme scientifique. J'ai passé ma première thèse en 87, et beau temps après, 4 ans après, j'ai eu l'habilitation. C'est une période très courte. Je suis devenu professeur de l'université à 35 ans et demi, c'était assez jeune à l'époque. Du coup, je pouvais réaliser mon ancien rêve. Ouais. J'avais plus de temps, je pouvais gérer mon temps comme il faut, surtout que durant 12 ans, je lisais en français tout le temps, même si j'ai appris le premier mot en français en France. Donc, au Yéman, on n'apprend pas le français. Mais je lisais tous les soirs, souvent, des romans en français, etc. Et j'ai commencé à écrire un roman directement en français parce que j'avais oublié un petit peu le qui a été traduit en arabe dernièrement. Oui, qui est traduit en arabe, exactement. Il est sorti chez Dalsari. C'était Ben Arène, il tripait,
le traducteur a préféré Melken Bardoula pour des raisons. Ouais. Donc je l'ai écrit en français, pour ça a commencé, et du coup il a traduit tout de suite en fait après, et Baruch Eman tout de suite après. Au Liban c'est Baruch récemment. Donc quand il l'a traduit, j'ai beaucoup aimé sa traduction, parce que ça a réveillé beaucoup de mots que j'avais oubliés en arabe. Comme une sorte de disque dur enraciné tout en bas, sans remonter, je voulais réécrire en arabe. Ça marchait, parce qu'il y avait une vacuité énorme au Yémen. J'ai rempli un espace qui était vide, quasiment. Donc par des nouvelles d'abord, et après un roman, un deuxième roman. Et comme l'interaction était positive, et ça me plaisait, comme ici, j'ai écrit des livres scientifiques en français, j'écris toujours en français, je donne des cours en français, ça remplissait un petit peu, j'ai trouvé une sorte d'harmonie. Comme l'interaction continuait, donc j'étais content. Et après, je suis passé à l'étape arabe, Liban, donc tous les 8 romans que j'ai écrits sont soit d'Al-Adab, soit d'Al-Sari, soit les Adraïs. J'ai fait en parallèle aussi deux livres culturels, sur des choses liées plutôt. Là, Imam sur l'Adab, nul imam que la raison. C'est justement une phrase de Al al-Mu'allim. Et tout récemment, il est allam, kayfa nata'allam. Oui. Donc, ça fait 10 bouquins qui sont barrés. Apprenant à apprendre, oui. Ça fait. Donc, tout ça, c'est sorti au Beyrouth, mais j'ai d'autres livres qui sont sortis au Yémen, auparavant, je ne suis pas amené. Ali Yémen, on va pas faire des livres sur le Yémen ou sur. Etc. Donc, parmi mes livres, celui qui est avant Ibn Tseslof et celui qui est après, c'est des livres, donc vous voyez un petit peu que les sujets sont variés. Le tout dernier, c'est Hafid Sendebad, c'est un roman un peu futuriste, un petit peu donc, prospectiviste, si je puis dire. Ça se passe en 2027, ça dure durant 36 heures en 2027, donc c'est un avenir proche. Il y a un scénario de l'évolution du monde. Là, c'est plutôt une expérience scientifique, je connais un petit peu la vie dans les labos, tout ce monde-là, je l'utilise pas mal, mais aussi, il y a des voyages tout autour du monde. Le héros de roman, Hafid Sendebad, il voyage, il a juste son sac à dos, et puis il parcourt le monde. Et puis on voit, donc, il y a ces 36 heures capitales dans l'histoire du monde en 2027, mais avec beaucoup de zigzags sur toutes les 50 années qui sont précédées. Donc c'est un livre qui était une nouvelle expérience pour moi. Donc c'est travailler un peu sur un petit peu l'avenir proche, des robots, il y a plein de choses, mais il y a aussi la guerre actuelle au Yémen, il y a des passages là-dessus, il y a des voyages exceptionnels dans des lieux inconnus. Et puis bien avant celui-là, c'est un livre aussi, comme celui-là, ça me tient à cœur énormément. C'est un livre sur lequel j'ai resté 2 ans à travailler. J'ai même bien réduit un peu parce que par rapport à notre demande, là, qu'il soit une taille raisonnable. Sur Abu al-Ala al-Mu'alli, il y a 3 romans dans ce roman-là. Il y a la biographie du poète, sa vraie vie. Il y a il y a un voyage spatio-temporel. Il fait l'opposé de son voyage. Donc, il a un livre qui s'appelle Les Bitres du Bardo, où il fait un voyage au paradis. Un peu comme ce que Dante a fait 2 siècles après. Exactement la même structure, où il rencontre tous les poètes du Djahili avant l'islam, il donne ses critiques sur beaucoup de choses, il se moque de l'enfer, du paradis, il se moque entièrement parce que c'est un agnostique complètement. Donc du coup j'ai utilisé pas mal ces symboles, mais plutôt un voyage de l'opposé, où il descend, chargé par du ciel numéro 77, le nôtre il est 70e bout bas. Donc il est chargé à faire un rapport sur la vie, parce que là-haut on ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Donc il descend, et durant cette descente-là, il y a une démonstration totale de toutes ses idées dans les impératives, avec les livres qui sont traduits chez Sendebad. Il y a aussi une utilisation massive du Lébitre du Bardon. Et puis donc il y a un voyage qui parcourt, qui sort toutes ses idées sur le temps, sur l'art, sur beaucoup de choses. Et puis il y a 3e chose, son Hafid numéro 34 qui vit actuellement ici, donc il y a un rencontre, enfin il y a des choses après qui sont un petit peu de science-fiction. Oui. Donc ça c'est un deuxième roman, ces 2 romans là pour moi, donc bon ils sont très différents complètement, mais effectivement le roman de Vlala, tu avais raison, c'était pas le premier qu'il fallait traduire, oui, oui. Celui-là il est plus rapide
Non, ce qui est intéressant dans le livre, voilà, qui imagine un voyage dans l'au-delà, et il est là pour juger les gens sur Terre, mais de haut. Parce qu'il est là, il voit les gens qui sont au paradis, les gens qui sont en enfer, et c'est une manière de, un peu de, étonnante pour l'époque, du 11e siècle. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le... qui revient sur Terre pour décrire ce qui se passe sur Terre. Donc là, il y avait un jeu qui, que je trouvais très intéressant. Puisque on parle de la Terre, qu'est-ce qui se passe au Yémen aujourd'hui? C'est quand même... les gens vraiment ils ne comprennent... D'abord, on n'en parle pas. Et même quand on parle, on confond tout, etc. Bon. Alors, quel est le jeu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et le Yémen victime de tout ça? Oui, en fait, oui. D'abord, c'est vrai, le Yémen, c'est un pays malheureux, je trouve. C'est un pays damné, parce que c'est, d'un côté, elle est fantasmée, comme on l'avait dit, elle est rêvée. Et de l'autre côté, il est complètement oublié, voire méprisé, quand même. Parce que, donc, avec tout ce qui se passe, on laisse tomber, on donne le dossier du Yémen aux mains du pays voisin, qui ne sont pas des pays progressistes, loin de ça. Et on laisse tomber, donc on vend les armes à ces pays-là, et puis on s'en fiche de ce qui se passe. On sait que la famine a commencé, il y a une famine atroce, donc le choléra, maintenant il y a plein de morts de choléra. Et en plus, c'est une prison à ciel ouvert, le Yémen, donc les gens ne peuvent pas partir, s'ils partent par la mer, donc c'est une sécheresse, etc. Au-dessus, c'est des pays qui n'acceptent pas la notion des migrants, ils ne reconnaissent même pas. Les Syriens peuvent aller n'importe où dans le monde, mais impossible d'aller en Arabie Saoudite ou dans le pays du Golfe, parce que c'est la question de réfugiés. Donc il y a tous ces malheurs-là qui laissent le Yémen dans un état. Et en plus, donc, tout a commencé, on l'oublie souvent, mais il ne faut pas oublier une chose, deux choses à oublier. D'abord, c'est un régime qui était patriarcal. Et quand on dit ça, déjà, on dit beaucoup de choses. Quand il y a un régime où il y a quelqu'un au pouvoir 40 ans qui a préparé son fils, même s'il n'est pas encore arrivé au pouvoir, comme en Syrie, c'est déjà, ça donne un état d'un régime, ça devient très compliqué, c'est très très compliqué, on ne peut pas en finir facilement de ce type de régime. On peut en finir facilement des régimes comme l'Europe de l'Est à l'époque, ou l'Afrique du Sud, c'était pas des régimes patriarcaux, les choses sont plus faciles. Mais là, c'est très très compliqué, parce que l'armée était à sa main, le budget de l'État, c'est lui, si quelqu'un est malade, c'est lui qui donne la permission. Donc, on pouvait imaginer que ça serait compliqué, comme en Syrie, comme ailleurs. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. Donc, tout le malheur commence ici, là-bas. Tout le malheur récent commence aussi parce qu'il y a ce groupe de Houthis, qui sont ceux qui parlent l'Iran. En fait, c'est une région du nord-ouest du Yémen qui ont été attaquées par Al-Abdel Saleh à l'époque. Donc, c'est ses ennemis avant, en 2006. Il s'est allié avec eux, comme il a perdu le pouvoir et comme il n'a pas accepté qu'il soit déchu. Il s'est allié avec eux, c'est une alliance opportuniste très grave, pour venger, parce que c'est quelqu'un de vindicatif, il n'a pas accepté. Puis l'accord entre l'alliance, le pays du Golfe, là, c'était un accord qui était. Il n'était pas déchu complètement, parce qu'il était le président de son parti, le plus grand parti. Donc en fait, il était toujours activiste et présent. Et en plus, comme il avait toute l'armée, il a acheté tout le monde, il a des milliards. Donc il s'est allié avec eux pour envahir le Yémen, en commençant par Aden. Ils ont détruit Aden, donc du coup Aden, il y avait en 1994, quand le Nord a occupé ça avec les salafistes, avec tout ça. Et la deuxième, c'est celle-là. Du coup, il y a une rancune énorme chez les gens, d'où cette volonté de séparation qui est très vivace au sud, et Aden particulièrement. Donc, les Houthistes, c'est des gens de cette région du nord-ouest. C'est et qui sont soutenus par l'Iran. Soutenus par l'Iran. Donc, ils ont commencé. Du coup, l'Arabie Saoudite a eu peur parce que c'était l'Iran qui revient, qui prendra Babel Mandab, etc. Donc, l'Arabie Saoudite, elle a fait, après cette agression interne, qui est la racine du mal. Donc, c'est là. La racine du mal, c'est cette agression. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Et tout a commencé par cette agression. Ils ont fait un coup d'État, ils ont enlevé le président loyaliste, et ils ont occupé Sanaa d'abord, ou bien Aden, puis Hodeïda, beaucoup de régions du Nord. Du coup, après l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ils étaient appelés par les loyalistes, ils ont ajouté à l'agression interne une agression externe.
qui coûte au moins autant que l'agression interne. Du coup, le Yémen, les Côtes d'Alès, par ces deux agressions qui chevauchent, qui continuent, plus la pauvreté, les gens ont mal leur salaire depuis 7 mois. Donc, imaginons déjà ici, quelqu'un qui a bas de salaire, parce que 7 mois, ça ne va pas. Mais quelqu'un de là-bas qui vit dans la pauvreté totale, qui est endetté toute sa vie, du coup, ben, la famine maintenant, le spectre de la famine menace tout le monde. Plus les maladies, plus donc avec des nombres extrêmement importants, 7,3 millions qui sont condamnés à mourir de faim bien, très bientôt. Plus donc la malnutrition, il est doublé à un moment. Et puis tout ça avec une ignorance totale mondiale quasiment, parce que la vente d'armes à l'Arabie Saoudite est 10 fois plus que ce que l'Arabie Saoudite aurait pu aider, si elle avait aidé d'une manière maximale. Donc voilà, tout merci. Ça. Mais est-ce que vous avez des questions précises à poser à Habib sur son roman? Oui, une toute bête, combien d'habitants au Yémen? Au Yémen, ben, 26, 27, plus maintenant, 27 millions à peu près. C'est beaucoup quand même, ouais. Et c'est, ouais. Donc c'est souvent dans les régions côtières où il y a le plus de population. Ouais. Ça n'a aussi 3 millions, je crois, au moins. Il y a une production, qu'est-ce qu'elle produit? Ben, le Yémen, il y a du pétrole aussi, une quantité peut-être pas énorme, mais ça existe quand même. Il y a des produits agricoles, il y a le coton, il y a la mer, qui est une mer très très riche. Ça, au moins, ça, il y a des mines aussi, il y a du gaz, mais c'est un pays qui est très très mal dirigé depuis longtemps, la corruption est maximale. Des loyalistes comme du autiste. Donc là, tout le monde partage, tout le monde vide toutes les ressources, et le peuple, il est complètement chaos. C'est un chaos total. Et du coup, on voit tout de suite, les loyalistes n'arrêtent pas d'utiliser les mêmes méthodes. Ils étaient tous, plus ou moins, les enfants d'une école de Salé. Donc c'est lui qui les a fournis. Ils utilisent ces méthodes, sauf qu'ils sont un petit peu moins intelligents que lui. Enfin, un peu moins. Intelligent, il ne mérite pas son nom là, c'est un fou. C'est un fou, c'est un dictateur atroce. Enfin. Moi, je voulais savoir, Fabien, s'il y a d'autres romans sur la révolution, enfin, qui prend pour cadre la révolution yéménite, qui ont été rédigés il y a des années, ou le tien, on peut dire que c'est le seul, finalement. À ma connaissance, pour l'instant, c'est le seul qui. Mais il y a des choses qui sont sorties récemment où je n'ai pas suivi, je n'ai pas lu ce qui a été écrit, ce qui a été sorti depuis 6 mois à cause de la guerre, à cause du. Mais j'imagine, je suis persuadé que les gens. Il y a pas mal de choses sur l'histoire récente du Yémen. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par Hamdan, Marwan Rafouli, pas mal. Sur les dernières 20 années, là, il y a 20 ans, il y a pas mal de choses. Mais sur la révolution elle-même. Je ne suis pas persuadé. Peut-être qu'il y a eu des choses depuis 6 mois, mais je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas encore. Oui. Mais il y a des témoignages que tu veux publier. Oui, alors ça, c'est. N'est-ce pas? Parce qu'on parlait justement de la guerre oubliée. Oui. Oui, c'est des... En fait, ce qui n'est pas connu non plus, si je peux me permettre, c'est aussi tous ces auteurs yéménites qui écrivent, les intellectuels yéménites qui écrivent sur la. Qui essayent d'analyser leur situation, qui ont une pensée critique. Mais comme ils n'écrivent très peu en anglais ou en français, ils sont très peu connus. Et donc, j'ai réuni ces témoignages et ces analyses, et aussi ces textes littéraires sur la guerre au Yémen, qui sont très intéressants et qui mériteraient, je pense, d'être publiés. D'autant plus que c'est vrai que, heureusement qu'on a la fiction pour un peu rentrer dans ces sociétés, notamment, qui sont dans un état dramatique, quoi. Mais dans le même temps, c'est vrai qu'il nous manque aussi parfois ces voix un peu de la pensée critique locale, quoi, en fait, que l'on néglige aussi. Mais alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont alignés ni sur un camp ni sur un autre. Oui. Et ils développent souvent leur pensée critique sur les deux camps. Oui. Oui. Moi, je pense quand même que les gens, donc l'expérience actuelle, elle a créé quand même, comme le débat, il est un réservoir de beaucoup de choses, islamisme, marxisme, avec tout l'imama, toute la période de l'imam. Avec tout ce mélange-là, il y a une production florissante du roman, etc. Ouais. Mais c'est assez négligé, complètement négligé. Il y a pas de chance, hein, il y a pas de chance. Et je crois qu'en tout, on a calculé avec un collègue, il y a 6 romans de toute l'histoire du Yémen qui sont traduits en français.
Donc, celui-là dans une grande maison d'édition, les autres, c'est quasiment oublié. Donc, ça fait quand même mal au cœur, parce que vu la, la production, vu la volonté, et vu vous, le... Et vous, par exemple, vous n'avez pas eu, été tenté de traduire... ma première chose a commencé, maintenant, au moins... C'est difficile. En fait, la traduction pour moi c'est très compliqué. Comme, c'est deux choses différentes. Hein. C'est comme courir et marcher. On peut être très bon en course, on marche mal et le bout, c'est deux mécanismes complètement différents. Donc, par exemple, je mets plus de temps à traduire ce que j'ai écrit que si je l'écris directement en français. Ouais, c'est bizarre, Sauf si je fais une traduction libre ou. Il y a deux écrivains yéménites qui ont été traduits il y a très longtemps, dans des années, à la fin des années 80, début des années 90, Abdelwali, et l'autre, tu connais, qui ont été, par la, une intervention de l'Institut du monde arabe. Oui, il y avait une deuxième fois. Zaïmoutier Adamaj. Hein? Zaïmoutier Adamaj. Et C'est les deux qui étaient. Voilà, et puis il y a Ali Moukri qui est publié chez Diana Levy. Ouais. Il a deux ou trois romans déjà. Deux romans, deux plus romans. Voilà. C'est tout ce qui est. Donc chez moi, c'est les six en tout. Oui, plus un septième. Déjà en arabe, avant d'être traduit en arabe, on connaît très peu. Parce que si on publie au Yémen, on est complètement bloqué. Moi, tout ce que j'avais publié au départ au Yémen, c'est inconnu. Il a fallu que ça passe des routes pour que ça... Ça ne circule pas, ça ne circule pas dans le reste. Mais c'est quand même injuste. C'est beaucoup plus la poésie, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu plus la poésie qui est connue. J'ai travaillé longtemps à l'ambassade du Yémen. Donc j'ai suivi un peu et je sais qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour traduire ou pour lire la poésie au Yémen. Oui, parce qu'il y avait des noms qui étaient connus depuis un moment, Baladoni, Mouralech et d'autres personnes. Mais le roman a commencé quand même depuis des années. Et Gilbert a beaucoup joué avec ses voyages. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y avait beaucoup de publications. Moi, j'étais au Yémen une fois. Et le président de l'Union des écrivains, qui m'a envoyé pour la bibliothèque de l'Institut du monde arabe, des dizaines de romans et de recueils de poèmes et de recueils de nouvelles, etc. Donc il y a, on peut trouver à l'Institut du monde arabe en langue arabe une production yéménite assez nombreuse, mais elle est complètement inconnue. Pas seulement dans les autres pays, mais même au Yémen, même dans les pays arabes, alentour. On connaît très très peu. Et maintenant, avec la catastrophe qu'il y a là, les choses, bien sûr, Moi j'ai une question par rapport un peu à. C'est une phrase que vous avez dit que le roman pour vous est, c'est des degrés d'analyse pour comprendre le monde. Oui. Ça veut dire que le roman est toujours en rapport avec la réalité, avec la société. Bonne question. En fait, c'est une de ces facettes. Moi je parle de la littérature en général, c'est une grille d'analyse pour déchiffrer, décrypter le monde, et c'est une de ces facettes-là. Mais ça vaut aussi par la fiction. Vous avez dit ça comme si c'est certain et c'est défini. C'est-à-dire, d'abord, c'est souvent de la fiction ce que je fais, mais j'aime beaucoup donner l'impression que c'est réel, parce que le lecteur, souvent voyeuriste, il aime bien tomber dans ces pièges-là. Enfin, il aime bien. Du coup, j'essaie un petit peu d'avoir quelques repères. Un ou deux, trois repères qui sont minimal pour moi. De la réalité. Il y a un terme, par exemple, je ne sais pas moi, s'il était à Aden et puis est arrivé en France, ça y est, le lecteur, il a l'impression qu'il connaît toute ma vie. Alors que ce qu'il a fait avant et ce qu'il a fait après, ça peut être entièrement rempli par d'autres vies. Et je peux répéter cette chose-là maintes fois. Mais c'est plaisant parce que c'est les gens, et tout de suite, même pour Hafid Sindemath, et pourtant ça se passe en 2027, il y en a qui disent c'est une autobiographie. Je dis, c'est ma vie dans 10 ans, donc c'est quand même curieux de faire une autobiographie de ta vie, alors que c'est déjà compliqué, on ne sait même pas ce qui va se passer au bout d'une semaine. Donc j'utilise souvent la fiction, mais une fiction qui repose un peu sur un cadre, sur un théâtre qui ressemble énormément à la vie. Même parfois, il est enrichi à gauche, à droite, maillé par quelques
Mais l'essentiel, pour moi, il faut que ça apparaisse vrai. Mais généralement, c'est d'autres vies, la vie d'Abu al-Ala al-Mu'arri, même si les personnes qui étaient scientifiques ou qui étaient là, c'est quand même quelqu'un qui a retrouvé Abu al-Ala, qui discute avec lui dans un café, il est syrien, il est numéro 34, il n'est pas du Yémen du tout, n'apparaît pas. Mais ils ont toujours l'esprit, un esprit qui ressemble plus ou moins. Mais il y a aussi le donner des messages. Oui, avec Abu al-Ala, c'est évident, c'est la rationalité. Oui, il est déjà mis dans le café de Briyad, c'est un café qui contient, donc, il y a toutes les grands symboles de l'histoire de l'humanité, Einstein, Darwin, Abu al-Ala al-Mu'arri, Nietzsche, tout ça, et avec une base très importante. Bon, moi, ce livre-là, ça a commencé sur l'histoire avec moi, donc en 2009, ici, c'était une année exceptionnelle en France, je l'ai vécu scientifiquement. C'était 150 ans après la publication de Asl al-Anwa, l'origine des espèces, et 2 siècles après la mort de l'anniversaire de Darwin. Il y avait des fêtes partout, scientifiques, il y avait beaucoup de bibliographie sur tous ceux qui ont un petit peu plus ou moins senti l'unité de l'espèce au XVIIIe siècle. Si un tel des Lumières a dit quelque chose, tout de suite on dit que c'est un génie, etc. Alors que Merlin, il a dit, au Xe siècle, pour moi, le Xe siècle, c'était déjà, c'était un peu la Renaissance, comme la Renaissance ici, mais on avance là-dessus. Un exemple. Pire que ça. Gaïzon, Anakoun, Adam ou Hava, Ablahou, Adam, c'est Adam. Ça casse cette dynamique énorme. Donc ce Adam, il y a un autre Adam. En fait, c'est l'arbre des Homo sapiens, etc. Donc, c'est cause en plus oui. La légende religieuse. Et pire que ça, donc, il y a aussi d'autres vers entièrement sur l'unité des espèces. Donc il veut dire que la plante, tout est écrit dans et tout ça, c'est magnifique, parce que donc il était en avance dessus. Il y avait aussi des opinions sur l'arbre. Très développé, donc il se moquait de l'arlar nefriya. Donc sur la morale des esclaves, où il y a cette question de bonus-malus, comme dans les religions, il s'est moqué du paradis d'une manière magnifique, de l'enfer. Il a détruit plein de choses, donc c'était un pré-nietzschien au Xe siècle. Il y a plein de choses magnifiques autour de ça. Il s'est inconnu. C'est inconnu parce que. Le livre qui s'appelle Les Impératifs. Oui, oui. Publié bien sûr chez Simba. Oui. Et j'étais influencé énormément par ce livre-là. Effectivement, ce livre-là, il m'a bien guidé parce qu'il y avait une synthèse du. J'aimais beaucoup de là avant, mais ça m'a aussi. Tu sais. Donc voilà. Donc c'était. Et puis. Après, j'ai puisé aussi dans un autre livre parallèle, mais plutôt culturel, qui remet aussi à vous là. Oui, vas-y. Ah non, excuse-moi, c'était juste pour oublier la question. Est-ce que tu penses que le chef des salafistes, là, celui que tu as décrit comme qualifié de chef des salafistes, il ressemble pas beaucoup à Zindani, le dirigeant du groupe islamiste Si, il ressemble énormément, parce qu'en fait, c'est un personnage romanesque, hein, avec toutes ses saloperies depuis toujours. Donc c'était un gars qui a échoué, qui a étudié de pharmacie. En Égypte, ça n'a pas marché, il revient, il rentre réellement de l'université, par le chef de l'État. Donc, Limoges, c'est lui qui était le doyen, prend sa place. Et après, donc, il prend le monde arabe, il est le gourou. Il y a, comment il s'appelle Moucharmed, c'est un charlatan par excellence. C'est une maladie qui s'appelle contre le sida, donc c'est avec la médecine religieuse, il découvre qu'on parle de médecine à Sanaa. Donc l'État, de toute façon, c'est facile. Si dès que quelqu'un le refuse, c'est 50 armées qui vont tout de suite dire qu'il y aura une fatwa quasiment. Donc du coup, il a rejeté tout le monde, bon, des menaces de fatwa. Vous n'acceptez pas la médecine mohammedienne. Donc il est monté, il a eu une place énorme. Donc, par contre, dans le roman, je n'utilise pas son nom. Dans les chapitres, entre les chapitres, quand je fais des posts Facebook qui sont plutôt réels, il y a son nom qui apparaît parfois. Pareil, quand il est venu 2 mois après le début de la révolution, m'ont donné aussi, c'est-à-dire, c'est un peu lui, son jeu, c'est de donner des brevets.
comme lui, il a fait un brevet pour son, sa maladie, mais c'est du... Donc, il a donné un brevet à la révolution. Il a une page Facebook. Oui. Oui, son fils, c'est justement son fils. Que je, donc, c'est des gens, des obscurantistes. C'était le père spirituel du Bin Laden, donc il ne faut pas oublier. Donc, il était en Afghanistan, donc tout le mal vient d'ici. Il était donc monté par Alain de Salaire, pris de toute la place, il l'a défendu à mort quand les États-Unis voulaient l'avoir pour leur prison. Donc, il d'ailleurs, il y a aussi des personnages qui sont formés à cette, dans cette école. Ah, c'est l'école. Et qu'on a retrouvé dans le, c'est les assassins de Charlie Hebdo. Exactement, oui, exactement. Ouais. Donc, c'est l'université du Iman, ouais. C'est l'université ce sont atroce. Gens, donc, c'est des, en fait, on fournit des terroristes, et un d'eux, les frères Kouachi, a fait un stage là-bas. Et c'est catastrophique. Leur manière de faire un lavage de cerveau, que j'ai beaucoup suivi un peu quand j'ai fait ce moment-là, un peu leur méthode, la méthodologie qu'ils utilisent, ils s'assurent pas mal du Gamarat Iman, enfin l'université de la croyance, du l'Iman. La foi. La foi, oui. Et puis, leur méthode aussi, j'ai vu un peu comment ils sont organisés sur Facebook, comment ils travaillent, ils apparaissent d'un seul coup, en même temps qu'ils utilisent les mêmes arguments. Ils ont une ingénierie, une méthodologie incroyable qui a réussi à faire tomber cette révolution-là, qui était magnifique au bout d'un mois, un mois et demi, avec des méthodes de... Donc j'ai essayé un peu de sortir cette méthodologie, parce que c'est la même. C'est la même en Syrie, c'est la même en Égypte. C'est des gens qui pensent de la même façon, qui veulent arrêter le temps. C'est des gens qui ne veulent pas que ça avance. Et puis, ils utilisent des arguments qui marchent. Ils arrivent à jouer sur la blessure narcissique que beaucoup de gens ont sur place. À l'origine, ils étaient financés par qui ces gens-là. Les salafistes. En fait, ils avaient au départ beaucoup de rapports avec l'Arabie Saoudite. Donc au départ, c'est le wahhabisme qu'il a fourni, ils étaient là-bas, en Arabie Saoudite et tout. Et après, selon leur temps, celui-là, ils sont entrés en conflit après. Avec oui, ils sont entrés en conflit après. Il a même donné une fatwa pour donner le cinquième de la richesse du Yémen à l'Houthi, qui est chiite. Mais il a vu monter, il a vu que ça devient... Donc c'est des opportunistes, ils veulent s'allier avec le diable, pour rester au pouvoir, pour gagner, pour etc. Donc, c'est des gens vraiment dangereux de tout point de vue. Et c'est eux qui ont tout cassé. Donc d'abord, ils veulent tous rester à l'éducation. Ça, c'est leur constante. N'importe quel ministre de l'éducation, actuellement, dans le gouvernement Houthis, c'est un de chez eux, un Houthi obscurantiste total. Ils se bagarrent tous pour ce ministère. Et avant, c'était le Zendalib et ses cliques. Du coup, ils ont donné donc, un programme scolaire atroce. Et un jour, j'ai discuté avec un prof, un copain qui était avec moi. Je lui ai dit, écoute, lis avec tes étudiants ce que Bin Laden, le discours qu'il a donné après le 11 septembre. Il dit aux élèves, sans dire que c'est Bin Laden, ça, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? Donc je voulais avoir juste 98% des gens trouvaient ça très bien. Parce que c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Et c'est lui qui est derrière ça. Il a donc fait un programme scolaire obscurantiste, djihadiste. Du coup, tout ce lavage du cerveau, tout cet océan de patients tristes qu'on voit, vient d'eux. Il leur attache pas à avoir le ministère de l'Éducation, à changer le programme scolaire, à changer le système d'information global. Okay. Pourquoi vous n'écrivez pas en français? Vous me paraissez bien bilingue. Oui, mais j'ai commencé la fin. C'était pas assez. Oui, non, ça va. Maintenant, j'ai rempli un projet. J'ai quasiment dit le maximum de ce que j'avais dit, je sais pas. Mais je suis plutôt tenté. Dans la vie, il y a des phases. Changer de casquette. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. On ne peut pas avoir deux corps de même ça. Donc, à un moment donné, les étapes qui passent. Je pense que maintenant, je suis tenté de plus en plus. Et comment vous êtes accepté là-bas, en tant qu'écrivain? C'est assez compliqué. C'est-à-dire, on me trouve honnête. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rapport avec les gens. J'aime les gens m'aiment. Donc, là-dessus, ça m'ouvre. Et non, le régime ne m'aime pas du tout. Je n'ai jamais aimé. Même des années où je suis allé, j'ai reçu des messages des amis. Si je dis une chose en français qui les dérange, là, on m'attend à l'aéroport. Donc, il y a des mots, je suis allé. Il y a des années où je suis allé, mais j'ai aucun moyen. J'arrivais là-bas et
impossible du enfin bon. Mais bon, ça, j'ai pris vos collègues. Avec les collègues, les amis, les gens, ils sont pas comme Eurysi, bah, les gens, ils apprécient. Donc j'ai trouvé que l'écriture m'a donné beaucoup d'intéressant, qui était agréable. Du coup, ça m'a ouvert. J'ai continué parce qu'il y avait un climat fertile, agréable, et une place à remplir. Du coup, c'était une bonne expérience. Là, j'ai une question. Parce que Hala n'est pas là. Par rapport à la traduction, parce que tout à l'heure, tu as dit, c'est dommage, mais tu as dit que ça vaut la peine de traduire. Voilà. Pourquoi tu as choisi celui-là et pas l'autre? Est-ce que tu connaissais l'autre avant aussi? C'est parce qu'il y a un rapport avec la révolution? Oui, parce que c'est en rapport avec l'actualité. Et que pour attirer un peu l'attention, on est obligé un peu aussi de mettre les deux choses, c'est-à-dire la littérature, mais aussi, d'ailleurs, d'une manière tout à fait spontanée, on est passé d'une histoire d'un roman pour parler de la situation humaine. Et d'une manière qui n'est pas artificielle, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire on est en plein dedans, c'est une manière aussi d'accrocher un lecteur. Et puis, en espérant qu'une fois qu'il a lu ce livre, il peut passer à un autre livre qui est plus complexe. Donc c'est ça. Je veux dire un petit mot. Je crois que même c'est comme ça que ça a commencé, c'est-à-dire dans toute la littérature traduite. Au début, on attire un peu le lecteur par des textes qui le touchent un peu. Mais pourquoi? Déjà le journalisme, vous parlez de ce qui se passe. Oui, non, mais justement, c'est parce qu'il entend parler. Pourquoi la littérature doit servir? Non, c'est pas ça. Je veux dire, il entend, un lecteur qui entend parler. Voilà, un pays, le Yémen est un continent inconnu. Bon. Et donc, on entend parler de ça, et puis il y a un roman yéménite qui, il peut lire, et puis à partir de là, être intéressé de continuer, d'aller plus loin, etc. De toute façon, je pense que c'est ça. Moi, j'ai trouvé que j'ai aimé le roman de Habib sur Aboulala, mais c'est quand même un roman qui a une partie historique, une partie un peu presque science-fiction. Vous voyez, c'est un peu compliqué dans la construction et tout ça. Il y a beaucoup de vers de poésie dedans. Ce qui fait que ce n'est pas une approche très facile pour une première lecture. C'est ainsi, je crois, dans les autres. Et quand je pense aux autres littératures arabes qu'on a publiées, en général, c'est ça. C'est un peu, on parle de. Et je prétends toujours que les gens peuvent comprendre un peu la situation politique dans ces pays à travers un roman, plus qu'à travers un essai. L'essai est sec, est difficile, et puis il y a moins de ventes d'essais que de... Bon, Franck a un essai sur... où il est question d'Aden, et de Beyrouth et d'Aden. Bon, mais je crois que pour le lire, il faut déjà un bagage en sens social, en tout ça, pour aller jusqu'au bout du livre, alors qu'un roman peut se lire de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus attrayante, beaucoup plus agréable. Voilà. Bon, on va prendre un verre, non? Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non. Je pense que c'est une bonne stratégie, même si ça m'a retardé 3 ans, j'ai tout de suite avec cela, beaucoup d'abord, enfin l'abord est plus rapide. Oui. J'étais invité quasiment tous les jours, l'ENC, des gens qui ont commencé à lire ça, et ils arrivent facilement à comprendre, à remplir un vide autour de... Je pense que maintenant, la suite, ça sera plus facile. Et après, bon, c'est pas moi choisir, mais il y a 2 propositions, il y a un vide, c'est le débat, qui est encore d'actualité, avec des choses nouvelles qui sont très très... Mais au niveau mondial, pas seulement sur l'Yéman, ça va bien. Il y a ce roman-là qui reste. Alors, est-ce que sa place, la meilleure place, c'est le deuxième ou le troisième? C'est pas à moi de dire. Merci.